Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Rockefeller Vincent déclaré. Li bay directeur général police la l'ordre pour stopper toute bandi dans village dédié Grand Ravine Croix des Bouquets à toute l'autre zone côté bandi a créé la trouble là dans pays a. Dans un tweet ministre justice et sécurité publique la fait mercredi 21 avril là, li précisé pas droit gain exception dans li cap mené contre bandi pour faciliter tout citoyen si qu'il est tranquillement sur tout territoire national. Notre information malgré plusieurs mouvements conférences évêques haïtiens lancés après bandi exam te kidnappé religieux catholique yo depuis presque 2 semaines dans zone Croix des Bouquets pour qu'on ait résultat plus passé 2 semaines après otage plus passé 1 semaine après otage toujours dans même avisé Jocelyn Pierre pour détail. Mercredi 21 avril 2021, c'est premier journée dans cadre 3 jours campé travail conférence évêque haïtien yo lancé dans l'idée pour joindre libération 7 religieux bandits à exam kidnappé depuis presque 2 semaines. Pour journée mercredi 21 avril là, l'école Corrigani Sécurité à porte fermée. Parmi eux, Collège Canado Haïtien, Collège Marianne, Saint-Louis de Bourdon, pour ne citer ça yo seulement. Situation ça arrivée après conférence évêque haïtien décidé pour toute l'école catholique, presbytérale, congréganiste, université et toute l'autre institution sauf l'hôpital Accent Santé yo campé travail pendant 3 jours. Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril, évêque catholique pays d'Haïti a dit c'est avec un pile douleur constaté situation fait accès yo qui n'a même bandi pas jamais changé jusqu'à présent. Dans une note publiée mardi 20 avril 2021, yo fait qu'on est entré tout le monde qui gagne morceau remen en cœur yo a déchiré après bandi kidnappé religieux yo pendant 2 premiers jours yo paye yo a continué célébrer la messe soit dans matin ou bien après-midi pour libération moun ki kidnappé yo. Après prêche là, conférence évêque haïtien a invité Peyo réciter litanie miséricorde bon Dieu comme prière universelle. Dans 3e jour à cap vendredi 23 avril à midi tapant, Peyo doit sonner cloche dans toute l'église yo et puis faire adoration Saint Sacrement pendant y a méditer sous quelques sommes louanges. Dossier insécurité toujours cours supérieur des comptes à contentieux administratif fait qu'on est bandit kidnappé mardi 20 avril là dans zone 4e avenue des employés la cour. Mimose Benoît, un ménager avec Normalis Paul, un fonctionnaire avec vérificateur la cour. Kidnapping ça a fait dans le moment employé était sur route pour entrer la caillou. Dans la même occasion, kidnappé tout prend Léon Sterling Paul avec Jean-Yves Paul, madame avec petite Normalis Paul. D'après une note qui peut être signée, président de la Cour, Maître Rogaville Boaguené, nouvelle kidnapping employé, ça a eu une grosse répercussion sur le travail Cour et puis affecté personnel là. Responsable pour les comptes, il a demandé pour une disposition qui prend pour les kidnappés, une jeune libération pour les reprendre l'activité dans la Cour. L'autre information, le journal là, magistrat Rondo Sévillier, c'est représentant juge première instance dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, c'est SPJ. Médecin Villiers remporté l'élection qui était organisée pour élire un nouveau conseiller comme représentant juge tribunal première instance pour 18 juridictions dans la CSPJA. Magistrat Rondo Saint-Villiers, qui s'est doyen tribunal première instance Jacques Mel, remporté l'élection ça avec 124 voix face à principal rival li, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, qui lui-même réalisé 70 voix. Ensuite. Jeudi, magistrat des tribunaux de première instance, yo te gen rendez-vous dans 11 juridictions électorales pour être élu représentant yo dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Tu as déjà gagné mardi dernier élection pour être élu représentant des juges des cours d'appel et jeudi c'était pour tribunal première instance. Au terme de la journée, résultat, bail ça que nous prenons, le chiffre que nous prenons là. En fait, tu as 3 candidats. Gagné magistrat Lubens Élisée, qui est juge et juge d'instruction
dans le tribunal première instance Port-au-Prince. Il y a magistrat Bernard Saint-Ville qui est doyen tribunal première instance Port-au-Prince et magistrat Rondo Saint-Villier qui est doyen tribunal première instance Jacmel. Résultat final, tu as gagné un vote blanc, tu as gagné un monde qui votait pour Rubens Élisée, 70 voix pour Bernard Saint-Ville et 124 voix pour Rondo Saint-Villier. Moi, je remercie tous tes collègues magistrats qui parlent dans le tribunal de première instance, mais qui étaient bons supports pendant toute période de campagne électorale. Nous avons un regard particulier pour tous les collègues magistrats du tribunal de première instance qui étaient vraiment supportés moi, fait campagne là, ensemble avec moi. Donc, moi, je dis que nous avons remporté la victoire et c'est pour le bien de la justice, pour le renforcement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, car je connais que, ensemble avec l'autre conseiller qui dans CSPJ, à partir du mois de juillet, donc nous pouvons aller travailler pour bien-être magistrature, pour bien-être la justice. L'autre point, dans le journal, là, leader communautaire qui sorti dans plusieurs zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince, dressé, mardi 20 avril 2021, rapport atelier sur avant-projet nouveau constitution, par le comité consultatif indépendant, après plusieurs rencontres, il dit qu'il a réalisé dans la communauté. Dans le cadre d'un atelier, représentant yo présenté, proposition yo collecté, dans Chita Palais, yo te gen ak organisation et puis citoyen dans la localité. Marie Dieudonné Hertelou ak Edicineus pour détail. En suivant. Respect quota pour participation femme dans l'élection, intégration diaspora dans l'espace politique PIA, intégration jeune à qui on seule chambre pour parlement, c'est quelques parmi articles qui étaient sous table discussion pendant atelier ça. Belay, Fonds National, Gravine, Fontamara, Tibois, Cité Soleil, c'est quelques zones qui étaient représentées dans la rencontre ça. Pendant l'échange ça, participants ont présenté recommandations et puis bas résultats qui t'a parlé au fait sous avant projet à organisation dans la communauté. Nous voulons que nous ayons un quota 50% pour participation de femmes, jeunes femmes et jeunes garçons. Nous parlons tout dans le cadre de réflexion de l'intégration diaspora dans l'activité politique pays. Sans discrimination. Nous souhaitons que dans le cadre de la nouvelle constitution, nous ayons un parlement monocaméral. Ça veut dire pour gagner seulement une seule chambre. Question vice-président, pour moi, c'est simple. Le fait que M. Sayo conduit de nos votes, et nous, c'est une bêtise qui a passé, nous, pour être capable de nous, un premier ministre, nous d'accord à 100% sur la question vice-président. Diaspora, femme et la jeunesse, c'est point important dans la nouvelle constitution d'après président comité consultatif indépendant, Maître Boniface Alexandre, qui t'a bail avili sous critique et recommandation qui fait sous document. Qui motif qui fait pas d'accord? Qui motif qui fait gay monde qui d'accord, qui monde qui pas d'accord? Nous pas ouais. Son projet nous fait, nous partis son travail fini. Nous soumettons projet à bail tout le monde qui a objection ou libre de voyer objection à nous, soit oralement, ou venir nous dire mais ça vous paraît, mais ça vous paraît, ou bien écrit nous dire mais ça vous paraît, mais ça vous paraît. Si les femmes haïtiennes estiment que dans le projet nous n'avons pas de bail, un quota 50%, qu'est-ce que nous disons clairement? Je ne sais pas plaire de l'aile sautive qui fait classe. Li. L'obligé, c'est Brésil à aller le travail, il n'y a pas de fait pour le cas vivre, pour le cas aider parents. Donc, il y a une même jeunesse, ou plus la population qui est vieille. Nous avons droit à partir de 25 ans, ou bien droit candidat pour ne pas de poste électif, sauf président de la République. 27 juin, c'est date qui kembe pour organisation référendum. Le comité consultatif indépendant encourage les citoyens au lit et puis réfléchir sur chaque article dans la nouvelle constitution et puis bas recommandations. L'autre information, le journal là, dirigeant barreau, l'ordre avocat Port-au-Prince, organisé mercredi 21 avril, une conférence débat sur question changement constitution dans le pays.
problématique changement constitutionnel en Haïti, c'est un baptême ça, activité si là, débuté. Isaïe Oelus avec Michel Joseph, t'es sous place, il a présenté, nous rencontrons en dessous. Activité ça en temps renforcé, puis pour tes lumières sous débat cap fait sous changement constitution. Débat assistant Sigel Adol, avocat, étudiant et puis différents professionnels, yon panel professeur droit constitutionnel, constitutionnaliste et professionnel droit, t'es présent pour faire avancer débat. Débat ça, d'après bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, M. Suzy Lugo fait partie de responsabilité Baoua pour aider à comprendre ensemble thème qui est important dans l'existence population. La constitution en Haïti change à sa période. Pourquoi ces changements? Ces changements sont-ils dus à l'enjeu? Sont-ils dus à dynamique qualité de la constitution? Ou encore par les objectifs qui sont différents de chaque gouvernement? Nous avons fait le principe de l'État et nous dit que la constitution américaine, qui date de 1789, a eu seulement 27 amendements. Quelques intervenants rappelaient plusieurs changements constitutionnels qui fait dans le pays et puis façon de permettre pays à administrer. C'était occasion tout pour permettre assistance là, gain plus donné sous cause référendum qui est d'actualité. Un référendum n'est pas une élection. Un référendum, c'est la demande adressée à la population d'approuver ou de récuser une décision prise par le pouvoir exécutif. Quelle que soit la nature de cette décision, on ne peut pas organiser un référendum sur un texte complet. Car même citoyen, vous êtes d'accord avec tous les autres, que vous refusez un seul, vous devez voter non, vous n'approuvez pas le texte. Tandis que la formule la plus applicable, c'est celle qui a été utilisée en 1987. Il y a eu une assemblée constituante formée. Depuis quelque temps, Baoula d'avocat Port-au-Prince organise une série d'activités sur différents thèmes qui intéressent Bazoche là et puis population. Il y a une démarche qui entendra poursuivre selon Batonia, Suzy Lugo. Avec plusieurs centaines de citoyens de la 32 bénéficiaires qui montrent qu'ils apprécient les démarches là, mais les responsables continuent à accompagner les gens qui vivent dans les radios. Lionel Jean-Louis avec Maxo Joseph, t'es sous place, il y a dit nous plus. Habitants de la localité de Saline de la 32, bénéficiant environ 3000 plats chauds, mercredi 21 avril là, sous initiative Fonds Assistance Économique et Sociale, n'a tête collée avec bureau délégation département à l'Ouest. Bénéficiaires n'ont pas caché satisfaction yo, par rapport à des marches ça qui rentrent dans le cadre du programme Cantine Mobile, gouvernement a mis campé pour accompagner ceux-là qui ont fait bio. Responsable FAESIO by garantie, distribution plats chauds yo, n'importe où près chaque zone qui vit ou en lieu après possible. Pendant yon dit, y a continué travail pour pote coller dans la bataille contre gangou dans le pays, ya, et spécialement dans le quartier qui est vulnérable. Membre syndicat employé ministère éducation nationale et formation professionnelle SEMENFP, mandé responsable ministère faire diligence pour permettre employé ou bénéficier 4 débits. Membre SEMENFP qui t'en met en grève depuis environ 3 semaines. Souhaite l'État ajuster salaire employé et puis réunir tout employé dans un même local. Marie-Antoinette Médor, c'est porte-parole syndicat, en écoutez. Ministre en fait une conférence de presse sur le sujet ça. Quand elle dit, 4 débit en revendiqué, qui c'est le principal motif grève là, n'est pas dans la fonction publique là. C'est un privilège que yo ban nous. Nous pas de problème pour privilège là. Mais nous avons des ministres là, sous 18 ministères, il y a 17 qui ont joué privilège ça. Pour qui ça? Éducation nationale, qui c'est éducation, et nous tous connaissons, pour nous là, en tant que journalistes, pour nous parler devant nous là, pour ministre en tant que ministre, pour qu'un directeur général, faut
li passe l'école. Est-ce que l'éducation nationale pas fait partie des fonctionnaires publics qui fait lui-même li pas ka jouir privilège ça? N'a pas intérêt pour ministre, pour tout dirigeant, pour la presse, pour la population, pour tout employé éducation nationale. Sorti dans le ministre, il vient dans le dernier gardien, dans tout côté gagné. N'a pas revendiqué pour 4 de débit. Nous demandons de bonnes conditions de travail. Nous demandons ajustement de salaire. Nous demandons reconstruire local ministère là pour mettre tout employé au seul côté. L'autre information qui toujours concerne MENFP avec responsable direction départementale l'Ouest ministère, lui Fritz Dormerville qui met précision sur situation tension dans quelques lycées dans la zone métropolitaine Port-au-Prince depuis plusieurs jours. Professeur Dormerville expliquait que c'est une mauvaise pratique. Les élèves ont pris la rue comme ça pendant d'encourager tout professeur qui a fait grève de reprendre travail dans la salle classe. Directeur départemental de MENFPA promet qu'il a continué de travailler pour répondre à la revendication professeur. Professeur Fritz Louis Dormerville, de Télémico Midra Emilias, avec Maxo Joseph. En écoutez. La semaine passée, et on partit dans la semaine ça à tout, il y a un élève qui prend la rue dans certains lycées, bien sûr, et pas tout. Et d'abord, nous avons le lycée Pétion qui a posé un problème de sécurité et le lycée Daniel Vignolet. Mais par contre, nous avons rencontré avec mon staff dans le lycée Pétion pour nous voir qui s'en a offert, comment nous-mêmes nous avons intervenu. Et pendant que nous avons rencontré avec eux, un groupe d'élèves qui a pris la rue à craser par le lycée et au point que nous suivi en général pour être cassé parce que les élèves venaient avec fracas. Nous avons besoin de professeurs dans la salle de classe. Et explication que nous venons tarder parce que nous pas de grève qui était annoncée de manière formelle. Mais c'est après nous attendons les professeurs et tout le monde qui est dans la rue a demandé des professeurs pour payer les professeurs. Et il faut me dire que le ministère a fait un pile effort et pendant les dernières années pour les professeurs nommés, pour toucher. C'est sûr, il y a quelques grandes nominations qui étaient dans le département de l'IA et quelques monde qui ne peuvent pas toucher tout. Mais grève qui est dans la rue, ça réclame, et qui grève est annoncée dans certains lycées, bien dit certains lycées, certains professeurs réclamé, c'est 4 débits. Donc puisque l'État est pour mettre 4 débits, il va bailler 4 débits, donc il fait grève, et si vous avez besoin de professeurs, il prend la rue, tout le monde mélangé, toutes les autres, de part et d'autre. Mais fait mettre nous, il y a quelques lycées qui travaillent, qui résistent à assaut. Bandi Mounzaïo qui a réclamé pour vous, c'est certain là dans c'est bon élève, mais nous avons bête tout, bien qui pas élève. Mais maintenant, parce que nous avons des preuves palpables pour nous dire ça, mais nous voulons, et semaine ça allait mieux, puisque nous avons des lycées, par exemple, lycée Pétion, si nous ne pas sorti. Et il y a quelques professeurs qui viennent au fur et à mesure, nous avons fait appel à la conscience à eux, puis nous venons. Mais nous avons posé un aspect légal là. Nous connaissons. Et tous ces professeurs, et tous les professeurs, tout le monde ça. On ne peut pas faire grève pour 4 débits. Que ce soit la structure ministère, que ce soit la lycée. On ne peut pas faire grève pour 4 débits. Parce que 4 débits, en fait, il n'est pas entré dans la finance. Ce n'est pas un salaire, c'est une promesse qui est faite. Et d'après toute information que nous avons, c'est que la promesse a tenu. Il n'y a pas tenu la date ça. Puisque tout dossier est déjà traité au niveau ministère de l'Éducation nationale, il a acheminé le ministère de l'Économie et des Finances. Le ministère de l'Économie et des Finances n'a pas qu'au cas exécuté, nous comprenons ça, c'est une question de budget, c'est une question d'argent. Donc le ministère des Finances n'a pas qu'au cas de provision qui permettent que le cadre de débit n'a pas qu'au capable de arriver la même professeur. Donc voilà pourquoi nous avons des professeurs, ils ont trêve. Pour permettre aux étudiants de retourner à la salle de classe, pour être capable de travailler pour nous boucler l'année académique. Entre temps, c'est normal, puisque l'État promet 4 débits pour l'État dégager pour le bail, puisque c'était, ça a été une promesse. Mais nous n'avons pas bloqué les étudiants grève pour ça. Parce que quand même, nous avons le mois d'avril, ça le mois d'avril, là, chaque mois d'avril, pour le sortir. Et là, ça, tout le monde a touché. Donc là, nous n'avons pas bloqué les étudiants pour 4 débits.
Responsable plusieurs lycées dans la capitale, tant que le lycée Pétionville, lycée national Kafoufei, félicité professeurs qui répondent à l'obligation pour travailler avec l'élève dans le lycée Silao. Entre-temps, responsable quelques autres, tant que le lycée Jean-Jacques, lycée Pétion, mandé professeurs reprendre le travail dans l'idée pour aider les élèves à bénéficier de l'instruction cap faciliter la société à prendre route de développement. Je suis dans le micro, Miriam Milias et Max Joseph, en écoutez. Pour la Kaipanou et Pétionville, et nous n'avons pas gagné en termes de problèmes. Mais le problème a affecté nous tous. Le timoun prend la rue et le timoun qui a sauté ou a vu l'école, nous-mêmes qui s'en ont fait en termes de stratégie. Donc nous réunis devant toute classe parallèle dans la même salle. Par exemple, nous avons toute 7e année dans la salle, toute 8e dans la salle, toute 9e dans la salle, toute NS1 dans la salle, toute NS2, NS3, NS4 dans la salle, puis nous mettons pour les soldats dans la. Mais le temps de poser problème, professeur, nous, Dieu soit loué, nous n'avons pas de problème, professeur, lycée de Pétionville. Parce que, il y a environ 2 ans de cela, le ministère, grâce à l'intervention direction départementale, avec la présence du ministre, nous avons environ 27 professeurs qui n'ont pas de nommé ni rémunéré. Tout professeur ça a nommé et nous tout a touché. Et dans pile que nous avons un exemple qui toujours répond présent malgré la situation difficile et malgré habiter loin. Il y a plusieurs qui habitent Carrefour, il y a l'autre qui habitent en pleine, ils sont toujours présents dans la salle de classe. En dans le lycée Jean-Jacques, eh bien, nous avons travaillé et tant bien fait que mal, parce que il y a un professeur qui a une volonté pour venir. Mais le fait que il y a des victimes, chemin faisant, soit vite machine crasée, ça qui vient gagner, qui vient créer une sorte de peur, psychose de peur, la case certains en fait, professeur, mais c'est pas la volonté, en fait, qui n'est pas là, d'accord. Et par rapport à une invasion, disons, intrusion, et brutale, qui était faite dans le lycée, je crois, et lundi, on gagnait surveillant, généralement, qui gagnait bras le cassé. Je dois vous dire que les élèves, les lycéens qui étaient venus, et il faut me reconnaître, ils n'ont pas vraiment fait violent, mais le fait que, c'est-à-dire, ils ont rentré avec fracas, on calme yo, mal sous terrain basket là, on commence à parler ensemble avec yo. Parce que si on a besoin de monde qui peut parler ensemble avec yo, et l'on parle avec yo, yo tende. Et m'a profité du collègue yo, et dans le cadre de travail que yo a fait, travail d'éducation, de sensibilisation, d'une série de valeurs pour inculquer Timon yo. Faut que yo pas apprendre Timon yo, gagner une attitude égocentrique, égoïste. Ça veut dire, si on pas travail, ou même pas qu'il doit travailler tout, non. Ça n'est pas bon, il faut que ça dire nous rejeter là. Parce que, on va pas être bête avec moi, c'est pas le lycée de Pétionville, c'est pas le lycée de Ekafoufeuille, c'est pas le lycée en fait de Jean-Jacques qui l'a pour nommer en fait un professeur. C'est pas nous-mêmes qui l'a pour voyer professeur qui travaille dans le lycée. Et là encore, et moi je voulais dire en fait un petit mot par rapport à mouvement. Écoutez, nous disons déjà, grève, c'est reconnu par la Constitution. Mais grève en fait pour. Autant que je sache, moi je parle avec vous, l'État pas de même. L'État pas de même. Et c'est pareil pour les professeurs du lycée en fait de Jean-Jacques. Et ils ont touché jusqu'au mois de mars. Nous sommes le 20 avril. Donc, si toutefois qu'ils ont dû, c'est mois d'avril. Et nous connaissons que c'est à la fin. Mais maintenant, écoutez, et une promesse, un avantage, ce n'est pas un droit. C'est pour un droit que lié. Donc, là que nous faisons une promesse, ils sont capables de dire toujours qu'il y a des promesses là. Mais ce n'est pas un droit. Maintenant, comment comprendre sur la base d'une promesse, sur la base d'un avantage? Oui, l'État, au grand, c'est là qu'on fait promesse et qu'on honore lui. Mais maintenant, pendant que beaucoup honorent là, moi j'ai gagné pour devoir. Moi j'ai gagné au nom, c'est-à-dire en fait de question en fait de moralité, pour moi j'étonne. Mais pendant que l'élève ça reprend la rue, pendant que c'est-à-dire temps a passé, moi j'ai élève, ou bien élève terminal, élève NS4, qui pas joué un coup. Les programmes sont tronqués. Et quoi qu'il advienne, les examens auront bel et bien lieu. Est-ce que, qui ça qui peut le faire pour tout le monde ça yo, qui perdu tout le temps ça yo? Or, expérience montrée, les principales et les sempiternelles victimes ont toujours été, sont, et pas à souhaiter que seront toujours les élèves, parce que et l'État, jusqu'au moment que nous n'avons pas les là, nous capables de dire que, mois de mars, eh bien, il a quitté, il n'a pas doué. Maintenant, pour examen, tout le monde qui perdu en fait, qui ça qui a fait pour programme ça, ça que nous avons demandé, c'est dans quelle mesure.
yo capable fait timon yo retourner dans salle de classe. La bonne information ça dans journal là économiste Enomi Germain pour te quelques conseils pour aider résoudre problème économie pays à connaître pour situation dollar par rapport à goud là sous marché change là. Économiste là invité à Théo travail pour créer un climat sociopolitique favorable à progrès économique pays. Économiste Enomi Germain t'a répondu à question collaborateur nous Serge Nion Lindon dans l'émission mise au point sur chaîne l'État en suivre. Mais il n'y a pas de qui nous comme des dollars. Il y a des dollars à travers les exportations, c'est-à-dire que l'ensemble des produits qui produisent en Haïti, mais justement que le pays a voué vers le reste du monde, c'est-à-dire que le pays a entré de là, on dit par mécanisme ça. Le deuxième élément, c'est à travers le tourisme. Troisième élément, c'est à travers les dons et les prêts qui font en dollars américains à PIA. Quatrième élément, c'est à travers les transferts privés sans contrepartie. Mais maintenant, quatre éléments, ça, grosso modo, nous sommes soulignés là, Sergino, c'est uniquement un ring qui a fonctionné aujourd'hui, pratiquement. C'est l'élément touristique. C'est justement les transferts privés sans contrepartie. Autrement dit, eh bien, où nos situations, côté que, eh bien, où ensemble des dollars ne sont pas entrés dans l'économie. Hein, puisque c'est uniquement transférés, justement, qui alimentent les sources de dollars. Mais maintenant, bon, l'autre côté, pays a justement gagné une utilisation que le fait de dollars là tout. Et bien l'utiliser notamment à travers quoi? C'est à travers, on va dire, les importations, c'est-à-dire des biens et des services que le pays a besoin et l'importer vers le reste du monde. Mais maintenant, ça qui veut, c'est que de loin, quantité d'argent le pays a besoin pour importer, il est très supérieur par rapport à la quantité d'argent justement qui entrait, notamment qui augmentait, et notamment par transfert privé sans contrepartie en provenance de la diaspora. Mm-hmm. Ça veut dire que d'abord, ou d'accord, au niveau plus élevé, il y a un problème de dollars, c'est-à-dire une inadéquation entre l'offre et la demande de dollars sur le marché. Donc, nous besoin environ 5 milliards de dollars américains pour importer par année, alors que justement, ou bien il y a un transfert privé sans contrepartie qui compte quelques 3 milliards de dollars, attendez bien. Deuxièmement, le tourisme, le sabot comme 600 millions de dollars, ou gagner les exportations qui vont moins passer 1 milliard de dollars. Autrement dit, toujours bon besoin de dollars dans l'économie. Ça veut dire que problème non, ou déjà, ouais, que non, au niveau supérieur, même gros problème de dollars. Petite économie, ça aussi, ça. Mais maintenant, deuxième élément, ou bien deuxième façon qu'a répondu, nous avons au moins deux façons. Deuxième élément, c'est que la Banque centrale, ou ensemble d'injection que l'a fait pratiquement et de manière régulière. Mais maintenant, nous constatons que, en dépit de ces injections, pas des dollars. C'est-à-dire que quand on parle de sécurité, besoin de dollars, il va venir de dollars. Et mais qui ça qui explique ça? C'est que, pas oublier, injection Banque centrale, il fait et à travers le secteur formel, secteur bancaire là, c'est-à-dire que Banque centrale a gagné par exemple 12 millions de dollars là, puis injecté dans l'économie, injecté à travers le secteur bancaire. Eh bien, secteur bancaire, ça a justement, qui est-ce qui prend dollar au domaine? C'est, en tout cas, agence a eu besoin de dollars là, puis à l'importer là, pratiquement. Donc, bon, catégorie d'autres mondes dans l'économie, pas besoin de dollars, ça, notamment un ensemble d'acteurs de l'informel. Dans les banquiers, on a pu le faire réagir, vous souvenez que dollars que Banque centrale injecte, il y a tout dit banquier, mais là, qui couloir, mais là, qui circule pour nous passer. Mais qui catégorie nous qui est éligible pour y accès à nous, ça. Et banquier supposé, ben, Banque centrale, un rapport. Comment vous y avez un rapport et vous dites vous allez mettre le marché informel. C'est ça, monsieur Do, c'est que le problème de formalité ne se pose pas. Autrement dit, moi-même qui suis banque, par exemple, ou même représentant institution, moi, cap montrer Banque centrale là que je vends nos dollars là. Ou sont importateurs qui ont besoin de dollars pour le motif de pour le motif d'importation. Mais les importateurs là, nous avons vérifié. Justement, vous montrez que transactions sont faites alors que dollars ça m'a oua, il passe via l'importation vraie. Ah bon? 100 dollars justement qui transitent. La Banque centrale dit ça. L'idée dans notre politique monétaire, il dit que gagner une désintermédiation du formel à l'informel. Ça, c'est français qui a parlé. Mais au fait, qui sa réalité a, c'est que, écoutez, banque point comme là, ils ont montré que tout papier scié, on dit tout bagaille respecté, alors qu'il y a le 20 dépit dans le secteur informel là. C'est sa réalité. C'est-à-dire que ils ont fait, ils ont baoulé dans le message, ils prennent dans l'autre meilleur, ils ont vendu sur le secteur informel et ils ont négocié avant en quelque sorte. D'abord, on a une économie qu'il faut renforcer. Et renforcement économique, d'ailleurs, c'est une étape élaborée des aspects qu'il faut renforcer et même toucher la question de régulation. Et bien, on va même finir pendant l'émission ça. Mais on est d'accord que, écoutez, on a une économie qui a beaucoup de potentialités, mais qui ne sont pas mises à profit. Mais il faut finalement, en tout cas, renforcer l'économie pour mettre à profit toutes les potentialités que nous avons. Et
gon l'autre élément qui est fondamental, nous pensons qu'il faut toucher parmi un pilote nous t'a touché, c'est l'élément de stabilité sociopolitique dans le pays. D'ailleurs, écoutez, moi pense que c'est un élément destructeur de l'économie sur le plan structurel en Haïti. C'est que, écoutez, comme pays a traversé, soulevé par une instabilité chronique, une stabilité de l'instabilité, puisque à travers toute l'histoire, c'est pratiquement la même chose, et bien je vous dis, il faut œuvrer pour la stabilité dans le pays, puisque si pas de stabilité, pas bon environnement qui favorable aux affaires, qui favorable au développement économique et social tant recherché. La précision économiste Ennemi Germain qui t'a répondu à une question Serge Mérin dans l'émission Mise au point sous situation générale économie pays. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable jouer nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.